Il va y avoir des cours pendant les vacances. Un proviseur a décidé que ça devait être payé par pacte, un pacte spécial, où les personnes qui ne signaient pas le pacte ne seraient pas payées, ce qui est complètement illégal. Dans notre académie, Ali et moi, nous passons notre vie à, en fait, faire appliquer les textes. On perd beaucoup de temps à régler des problèmes qui n'ont pas lieu d'être, au lieu d'essayer de régler de réels problèmes. À Mayotte, on a un condensé, on est l'académie numéro 1 là-dessus. Hein. D'autant plus qu'à Mayotte, on a un manque d'attractivité. Outre la crise économique, sociale, au niveau éducatif, un recours massif de contractuels. Donc la plupart du temps, les contractuels ne connaissent pas leurs droits, connaissent des problèmes de paiement de salaire, et sont aussi en manque de formation. Ils ne sont pas vraiment formés. Ils arrivent devant une classe de 35 et ils sont un peu déboussolés. On a vraiment un manque criant de titulaires à Mayotte. Et le recours à des contractuels fait que ça les met dans des situations difficiles au sein des classes. Donc du coup, c'est du pain béni pour les directions.